Hello everybody, it's Bea, and tonight I'm with Mercedes Montagnes. She's working in a non-profit organization called the Promise of Justice Initiative, and they are working on the civil rights. Hello Mercedes. Hello. Can you explain us what is your work? You are a lawyer, but you're working on different cases. Can you explain us? Yes. Mercedes? Yes. So my name is Mercedes Montagnes. I'm a lawyer at the Promise of Justice Initiative. So the Promise of Justice Initiative is a criminal justice-focused nonprofit that works to end the death penalty and improve conditions for folks who are incarcerated. And so we do a lot of things. We sue prisons around the conditions. We're trying to end both the death penalty and excessive sentences, really long sentences that we think are unjust, as well as a lot of other smaller projects to support our clients and their families in the system. So we are in Louisiana, and the death penalty exists, still exists. So your work is to defend people who are in this kind of problematic of the death penalty. Mm-hmm. Sometimes it's a long way. And how many people work here with you to work on this subject? So we have about 30 people who work in our organization, but most of those people are working to represent people who are currently facing the death penalty on their criminal case. And okay. Then some of us are working to broader and in bigger ways abolish the death penalty altogether and to end that punishment, which we think is really racist and costly and unfair and unjust. How did you choose to work on this specific subject? I think it's a really complicated question for me to answer. I think there's a lot of things that led me to that, but my family came over here after World War II, and that was a big moment in my life, big moment in my family's history. I also think that there was the AIDS epidemic when I was growing up was a very big thing, and I watched people die needlessly because of government decisions, terrible decisions, and I think it's just apparent to me that our government isn't capable of deciding who should live or die. We know that New Orleans is an open city because you have a lot of vitality, you have a fabulous carnival. What do you think about the fact that here in Louisiana, the death penalty still exists? A country like France, for example, don't have death penalty since 1980 and 81 exactly. So what do you think about that? So it's obviously a tragedy. From our perspective, we continue to put innocent men and women on death row. That's demonstrable. In Louisiana, we've exonerated 7 people in the last 20 years who spent time on death row. My good friend, Glenn Ford, spent 30 years on death row before they admitted that he was innocent and let him out. And so there are really big problems with it. One thing that I like to point out is that the death penalty in the United States is most active in places where we used to have lynchings. So back in the late 19th century, early 20th century, it was common for mobs of people to kill black people if they had some perceived slight. And in Louisiana, where the death penalty is most active, is often in the parishes where there were the most lynchings. And so I think there's a direct relationship to our racist history and the death penalty. Faisons une pause. Bloc-notes. Y a-t-il une incapacité de la loi américaine à garantir l'équité raciale dans les jurys? Pour comprendre, quelques explications sur l'évolution des lois, des droits ainsi que les lois de Jim Crow. Au commencement, de 1865 à 1877, la Reconstruction. L'époque de la Reconstruction est une période de l'histoire des États-Unis ayant succédé à la guerre de sécession de 1861 à 1865. Elle voit la fin du régime esclavagiste de la Confédération, le retour des États du Sud dans l'Union et l'échec de l'intégration des affranchis afro-américains dans les anciens États du Sud, que ce soit du point de vue juridique, politique, économique ou social. Une série d'amendements est d'abord votée pour l'intégration des droits des Noirs.
le 6 décembre 1865. Le 13e amendement de la Constitution des États-Unis abolissant l'esclavage co-écrit et co-commandité par les représentants James Mitchell Ashley, républicain de l'Ohio, James Falconer Wilson, républicain de l'Iowa, et par le sénateur John Brooks Anderson, démocrate du Missouri. En 1868, le 14e amendement qui garantit l'égalité des droits civiques et accordant la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et interdisant toute restriction à ce droit dans les États. En 1869, le 15e amendement qui bannit les restrictions raciales au droit de vote à tous les citoyens des États-Unis, puis ces droits sont au fur et à mesure restreints. 1877, le compromis, aussi connu comme la Grande Trahison, utilisant parfois la fraude et la violence pour faire pencher les élections locales en leur faveur, les démocrates conservateurs à l'époque, appelés rédempteurs, prirent le contrôle des États du Sud et marquèrent la fin de la Reconstruction par la perte des trois derniers États contrôlés par les républicains. Après 1877, c'est un régime de suprématie blanche qui prend le dessus par le Parti démocrate dans le sud des États-Unis. Les différentes propositions de réforme et des droits accordés aux Afro-Américains, comme en outre, 40 acres et une mule, une réforme agraire qui devait distribuer la terre aux affranchis, furent rapidement abandonnées et furent remis en cause. La terre est aux mains de l'aristocratie du Sud, le modèle du métayage se répandit en imposant aux Afro-Américains un taux d'endettement qui les maintenait dans une situation de servitude vis-à-vis de leurs anciens maîtres. Cette nouvelle période des États du Sud désignée par les Blancs du Sud sous le nom de Rédemption remit en cause l'ensemble des droits accordés aux Afro-Américains pour mettre en place de nouveau un régime rigoureux de ségrégation raciale en votant des codes noirs par l'adoption des lois Jim Crow, des lois étatiques et locales, qui séparaient Noirs et Blancs dans tous les domaines de la vie publique. C'est aussi à cette époque que de nombreux lynchages de populations noires eurent lieu et l'apparition du Ku Klux Klan depuis 1865. Pour faire obstacle à l'efficacité des droits constitutionnels des Afro-Américains, et en se basant sur un principe séparé mais égaux, est adoptée une série de lois interdisant la possession d'armes par les Noirs, le droit de réunion après le crépuscule, de posséder de la terre, l'exercice de toutes professions artistiques, commerciales ou industrielles, leur permettant seulement de devenir domestiques ou valets de ferme. Validé par la Cour suprême, d'abord partiellement en 1883, Civil Rights Case, puis totalement par l'arrêt Plessy v. Ferguson de 1896, marquant la reconnaissance du nouveau rapport de force qui prévalait dans le Sud par les instances fédérales jusqu'à 1964. Durant cette période et suite à cela, un certain nombre de familles noires ont fui les États du Sud pour tenter de s'installer dans des États du Midwest, Nord-Est et Ouest, entre 1910 et la fin des années 60. 1960 marque l'avènement du mouvement des droits civiques et la validation en 1964 du Civil Rights Act et 1965 du Voting Rights Act qui redonne des droits aux Noirs, première loi fédérale depuis la Reconstruction, mettant fin à la ségrégation. Et en Louisiane, à la fin du 19e siècle. En Louisiane, dans le cadre d'une convention constitutionnelle de 1898 destinée à perpétuer la suprématie de la race anglo-saxonne en Louisiane, est promulguée une série de mesures Jim Crow, qui autorise des jurys séparés pour les procès pour crimes, de sorte que les quelques jurés noirs présents peuvent être facilement écartés par une majorité blanche. La Louisiane est l'un des deux États à autoriser ces décisions à jury divisé dans les affaires pénales, exigeant seulement 10 des 12 jurés pour valider un verdict dans les procès pour crimes graves. Les données sur le fonctionnement des jurys non unanimes en Louisiane suggèrent un impact racial disproportionné. En mai 2018, le changement. La législature de la Louisiane a approuvé un amendement constitutionnel exigeant des décisions unanimes pour les procès pour crimes. Il n'est pas rétroactif et ne prend effet que pour les cas après le 1er janvier 2019. Ce projet de loi a été adopté par la législature de l'État avec un soutien bipartisan. Plus d'un siècle plus tard, le jury dans les affaires pénales continue de refléter et de reproduire les hiérarchies raciales aux États-Unis. Une étude récente illustre comment l'héritage de Jim Crow affecte et imprègne la justice pénale contemporaine américaine, de la surveillance et du maintien de l'ordre à l'incarcération et à l'exécution de masse.
L'exclusion systématique des jurés non blancs reste omniprésente et fournit également un regard sans précédent sur l'impact de la race dans la prise de décision des jurés. Les noirs étaient scandaleusement désavantagés sur le plan pénal en étant écartés des jurys, soit la porte ouverte à des verdicts biaisés et à des dizaines de milliers d'erreurs judiciaires en leur défaveur, en particulier dans les États du Sud. Une nouvelle génération de militants plaide avec force pour le caractère central de la réforme de la justice pénale dans le mouvement contemporain des droits civils. La Cour affirme, dans diverses formulations, le droit du défendeur au pénal d'être jugé par un jury dont les membres sont choisis sur la base de critères non discriminatoires, même si depuis plus d'un siècle, elle n'a jamais développé un cadre doctrinal qui protège solidement cette garantie. You said that often the black community are involved in this kind of trouble. Mm-hmm. Do you have the support of the black community here in this work? Yeah, so I would definitely say that we do. I think that in general, African Americans understand more how dangerous and wrong this punishment is because it's more common in their community to have it implemented. One of the important statistics though, which we always emphasize, is that there are a lot of white people on Louisiana's death row, but one thing that's consistent is that the victims of the crimes are all white. It's very, very rare for the killing of a black person to result in a death sentence. And I think that tells us a lot about what cases are getting the death sentence. One thing that is pronounced is that lawmakers who are black are most often willing to come out and talk about how wrong the death penalty is. When you go to the state legislature, it's often black legislators who are saying we need to get rid of this punishment. We've held several events this week to commemorate 10 years of no executions, and the leadership has really come from the black community. Do you have the support of some local figure, artists, or people who want to be involved and to do the promotion of civil rights on this kind of subject like death penalty? Absolutely. We work with a huge coalition of people. We have a lot of artists in this community who do depictions of folks who are incarcerated, who do some sculptural work and do some wonderful work that we partner with. And then Sister Helen Prejean, who is a sort of national figure against the death penalty and is an author, is a huge supporter. We work with a lot of different kinds of folks across the span who really want to help us. So how can people interested by what you do can help you? So they can go to our website at www.promiseofjustice.org and they can find out more about what we're doing and they can express interest in being involved. Of course, we always welcome donations and support. Financial support is important, but we also need people to stand up and say that they think that this policy is wrong and to explain to Louisiana's government how it's not a good policy for our state. Can you explain us how do you follow the case and you help the people in the death row? Yeah, so one person who I didn't represent, but his name was John Thompson. John spent 14 years on death row. He spent 18 years in prison. When he was on death row, 7 times the state got a death warrant to kill him, and 7 times they beat it, and they eventually discovered that the district attorney had been hiding evidence of his innocence. John sued the state of Louisiana, and he was awarded millions and millions of dollars, and then they reversed it, and he didn't get the money. But John worked while he was out of prison for a decade, trying to help other people who were getting out of prison. He was an amazing man, and he just died 2 years ago. I imagine that as you are a non-profit organization, you need to have funds, sometimes public, sometimes private, I think. How does it work? So sometimes we get paid for our cases from the government if we're representing people in certain postures, but a lot of what we do, we have to raise our own money, and so we raise it from the public and we raise it from big foundations and grants, and people are willing to support what we do. Bonjour à tous, c'est Béa. Eh bien, aujourd'hui, je suis au théâtre Gérard Philippe et je suis avec Thierry Falvissaner,
de la compagnie Théâtre Charbon. Thierry est comédien, metteur en scène et s'occupe également de cette compagnie. Bonjour Thierry. Bonjour Béatrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais et ce que tu mets en place au sein de cette compagnie ? Alors oui, donc je suis le directeur artistique du Théâtre Charbon. Avant de porter le projet de cette compagnie, j'ai vécu comme comédien et comme metteur en scène. Et j'ai décidé de porter un projet singulier avec la compagnie Théâtre Charbon que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Depuis 4 ans et demi maintenant, nous sommes installés sur le quartier de la Source, quartier dit prioritaire des politiques de la ville, pour mener un projet surtout de lien entre le théâtre et les habitants. C'est-à-dire que notre projet singulier, si on peut dire ça, c'est de décloisonner les publics et de faire en sorte que des gens qui habitent dans ces quartiers populaires, qui ne se sentent pas autorisés à entrer dans les lieux de culture, qui sont toujours des lieux impressionnants, lorsqu'on n'y a pas accédé lorsqu'on était jeune, lorsqu'on n'a pas eu les clés, lorsqu'on ne nous a pas dit que ça nous appartenait aussi. Comment, avec le travail que je mène sur le quartier, en lien avec les établissements, avec les professeurs, avec les organismes de formation, comment le travail que je mène fait que certains vont ouvrir la porte, vont pouvoir s'asseoir dans les sièges, regarder une pièce, participer à un moment ensemble. Voilà en gros tout le travail qu'on essaie de mener. Et donc cette culture infuse partout ? On essaie de la faire infuser largement et surtout d'avoir comme ligne directrice le fait de ne jamais être vertical dans nos propositions, toujours croiser les gens et d'essayer de les amener à découvrir la proposition par eux-mêmes, par le lien qu'on a pu tisser en amont. Et puis avoir toujours aussi comme point de vue, comme axe, une exigence artistique sans se dire que ces gens, avec ce côté péjoratif, ces gens ne peuvent pas y accéder. Au contraire, nous sommes persuadés que tout le monde peut accéder à une culture exigeante. Simplement, il ne faut pas arriver avec un regard condescendant vers ces gens, vers les gens avec qui on a envie de travailler, qu'on a envie de rencontrer, au sens étymologique du terme, se rencontrer. Très bien. Alors, il faut dire aussi que ce quartier, La Source, est un quartier considéré comme sensible, sur lequel effectivement il y a des travaux qui sont mis en place, qui peuvent être mis en place autour de la cohésion des sociale des populations. Et donc tu participes par les travaux que tu mènes à cela. Il y a sur pas mal de quartiers dits prioritaires des politiques de la ville en France, on a mis beaucoup de moyens pour refaire ce qui est visible, c'est-à-dire les bâtiments, refaire les circulations dans les quartiers, amener des espaces verts, mais le point central, c'est l'humain. Et parfois, on oublie qu'il faut d'abord s'adresser aux gens, aux hommes et aux femmes qui vivent dans ces quartiers avant de vouloir refaire ce qui est visible pour l'extérieur. Donc c'est vrai qu'avec la compagnie, on s'est posé la question de comment notre action de théâtre, on pouvait la mêler, la croiser, l'articuler avec les problématiques que vivent les gens, notamment dans ces quartiers populaires, problématiques de stigmatisation, de regard, d'assignation à résidence, problématiques d'emploi, problématiques d'accessibilité. Voilà, c'est tous ces points-là qui ont articulé aussi notre travail. Et donc, on essaie de faire en sorte de mêler toujours notre travail de création avec notre travail de médiation culturelle ou de lien avec l'habitant. J'allais te poser la question, comment quelqu'un comme toi, dont le métier est le théâtre, la comédie, à un moment rentre en contact avec ce public, avec les quartiers, et puis qu'est-ce qui t'a poussé aussi à aller dans cette direction, puisque c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se présente en général de manière évidente, et c'est quand même un choix personnel, un investissement. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à ça ? Je pense que déjà pour moi, c'est pourquoi j'ai commencé à faire du théâtre. C'est le point de départ. C'est-à-dire que je ne viens pas du tout d'une famille qui est née dans les livres. Je viens d'une famille populaire qui n'avait pas accès particulièrement à la culture. Donc quand il y a une variation, en tout cas le projet pour moi d'entrer dans ce monde-là s'est présenté, je l'ai embrassé. Mais c'est surtout que je l'ai embrassé toujours avec, au fond de moi, une conviction politique, à me dire que cet endroit qui était l'endroit de la culture, de l'art, du beau, de l'échange, j'avais envie de le partager avec d'autres qui peut-être avaient le même profil que moi j'avais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire pas un accès immédiat.
Donc je crois que c'est ce qui a conduit les choix de création, les choix de spectacle, et puis ensuite le choix de se dire je vis dans cette ville, j'ai accès aux outils de la culture, moi personnellement, pour mes enfants, pour ma famille, avec mes amis. Mais je sais que dans ces outils de la culture, on se retrouve souvent entre soi, entre gens bien nés, entre gens bien éduqués, entre gens qui sollicités par ces problématiques, et que finalement, on oublie 80, voire 90% de la population qui n'accède pas à ces lieux de culture, soit par choix, soit plus, il me semble, par non-choix, c'est-à-dire plutôt par un parcours de vie qui fait qu'on s'est jamais senti autorisé à rentrer à cet endroit. Donc, du coup, tu... Encore plus qu'amener la culture dans ces endroits où le public a plus de mal à y avoir accès, tu les fais aussi participer. Oui, parce que je pense qu'amener la culture, ce n'est pas un terme juste, parce que dans amener la culture, il y a quelque chose de très vertical. Je vous amène quelque chose que vous ne connaissez pas. Et je pense que si on se positionne à ce niveau-là, on se plante et on n'arrive à rien. Ce que j'ai constaté après 4 ans maintenant de ce travail, les mains dans le cambouis au quotidien, c'est qu'il faut faire avec, il faut faire ensemble, il faut construire ensemble la possibilité à accéder à ces lieux. Et construire ensemble, c'est-à-dire que globalement, pour que des gens entrent dans ces lieux de culture, il faut à un moment être allé jusqu'à eux. Et non pas leur dire « venez, c'est ouvert, venez, c'est gratuit ». Ça, c'est de la rigolade, ça, c'est la culture des années 80. La question, elle est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces lieux qui sont des lieux publics, de la collectivité, ils sont réservés à une certaine partie de la population. Et c'est cette question qu'il faut se poser, c'est-à-dire comment on veut bousculer ce point-là. Et ce point-là, il se bouscule en croisant les problématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une problématique culturelle, on est dans une problématique sociale, on est dans une problématique d'accessibilité, qui est une problématique de comment on se représente l'autre et comment on se représente ce qui pourrait être considéré comme l'intelligence ou la beauté ou l'art, et est-ce qu'on y a accès. C'est ces questions-là qui me semblent importantes. Oui, le message, c'est que quelque part, la culture est partout, et à n'importe quel endroit, justement. Mais c'est que la culture est partout à n'importe quel endroit et qu'il n'y a pas de culture supérieure à une autre, déjà. C'est-à-dire, la culture, c'est aussi pouvoir s'intéresser à la culture de l'autre. Oui. Ça, c'est fondamental. Et que qu'on propose une culture qui est une culture verticale, on ne s'intéresse pas à la culture de l'autre. Et c'est le travail notamment qu'on fait dans le travail des langues sur un certain nombre de pratiques. Et c'est aussi de se dire... viens voir comment je fais pour faire de la culture, c'est-à-dire ne pas fermer tous les moments où on travaille, on répète, on est en recherche. D'accord. C'est de se dire que ça doit toujours être ouvert, ça doit toujours être possible de venir voir, regarder, que les artistes ne vivent pas sur une planète entre eux, juste à refaire le monde et en montrant un produit fini à la fin. Non, il faut qu'on soit toujours au quotidien, au présent, avec les gens. Alors justement, est-ce que tu as l'impression d'avoir été accepté, puisque tu as quand même pris place dans ce quartier, est-ce que ça a été difficile ? Alors oui, ça a été difficile, mais ça a été difficile non pas parce qu'on ne m'acceptait pas, mais parce que je ne comprenais pas. Et que je pense que pour arriver à sentir un quartier singulier comme celui de La Source, ou qui est un quartier qui n'existait pas il y a 60 ans, qui a été fait de toutes pièces, qui est un quartier extrêmement mélangé, métissé, avec une population intellectuelle qui vit d'un côté, une population plus populaire qui vit de l'autre, et des gens qui ne se croisent plus, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ces gens se sont séparés. Alors qu'on a les outils de la collectivité qui sont quand même présents dans le quartier. Donc ça, c'est des questions que je me suis posées. Et puis après, la deuxième question, c'est de se dire, on a un outil de culture qui n'est pas fréquenté par les gens du quartier. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on se satisfait de cette situation ou pas ? Donc ça, c'est la deuxième question qui s'est posée à moi. Et ensuite, en effet, j'étais l'étranger qui arrivait dans un lieu ici. C'est-à-dire que je venais de la ville-centre et d'une certaine manière, je représentais l'autre. Et il y a tout ce travail d'altérité. Comment on comprend l'altérité ? Donc ma propre altérité a de se confronter à ceux qui vivaient déjà là et qui me voyaient comme un étranger, ce qui est légitime. Et au bout de quelques temps, quand ils ont vu que j'étais sincère, que ma démarche était avec eux et pour eux, non pas de moi de manière verticale vers eux,
les choses ont commencé à se décanter et j'ai pu construire des partenariats et des actions sérieuses et engagées avec des gens qui venaient de milieux différents. Alors, tu me tends la perche, tu as parlé de l'étranger, donc on va parler de Camus. Je sais que tu... À travers ce travail-là, tu as cherché aussi à avoir un certain niveau d'exigence, malgré le fait que, effectivement, ce soit ouvert, donc ce soit probablement, techniquement parlant, une contrainte supplémentaire, et que tu travailles avec des publics, des fois qui sont non professionnels, si j'ai bien compris. Tu avais quand même ce niveau d'exigence qu'un professionnel du spectacle, qu'un comédien ou qu'un metteur en scène a, et donc pouvoir amener les gens aussi à découvrir ce niveau d'exigence ou en tout cas à travailler dans ce sens-là. Est-ce que tu peux en parler de ce rapport-là ? Alors le rapport à l'exigence pour moi c'est fondamental parce que l'exemple c'est que le quartier de la Source est un quartier populaire, voilà, avec beaucoup de gens qui ne vont pas, qui n'accèdent pas au lieu de culture. Parfois les politiques publiques se disent pour ces gens-là, on va proposer une culture qui est adaptée à ces gens-là. Et je pense que déjà cette phrase me révulse, m'irrite, parce que ça veut dire qu'on a tout de suite de la condescendance totale pour des gens qui habitent dans ces quartiers-là. Donc pour moi, ça a toujours été de dire les gens des quartiers populaires méritent la même exigence. Absolument la même. Ils peuvent apprécier les œuvres au même endroit, au même niveau, et même s'ils ne maîtrisent pas tout à fait la langue. L'exemple que je peux donner, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai fait un travail avec des jeunes mineurs isolés, donc la plupart qui venaient du monde entier, certes des Afghans, des Pakistanais, des Sri Lankais, des Tchétchènes, hommes et femmes, qui avaient 16, 17 ans. La plupart étaient en France depuis 1 an ou 2 ans maximum. Ils avaient une maîtrise de la langue très modeste, et on a travaillé sur des scènes de Tartuffe de Molière. Donc, en français, en alexandrin, avec des vers que un français normal ne comprend pas. On m'a posé la question, le journaliste m'a posé la question, mais vous leur faites faire ce texte-là de Molière, alors que les jeunes, je dis, ben oui, mais c'est quoi la différence ? Ils ont le même rapport à cette langue, qui est une langue extrêmement compliquée, qu'un jeune qui est né en France et qui a passé toute sa vie ici. Simplement, de leur mettre ces mots de Molière dans la bouche, avec cette exigence-là, et qu'ils comprenaient, physiquement, corporellement, charnellement, ça permettait surtout de donner à voir à celui qui regarde, donc l'autre, des jeunes qui n'étaient pas assignés à résidence à leur fonction d'étranger. C'était des jeunes qui faisaient du théâtre. Et je pense qu'il faut toujours qu'on ait cette exigence-là, c'est-à-dire qu'une œuvre, si elle est belle, elle sera accessible. Si notre proposition, elle est intelligente, elle est forte, elle pose la question du spectacle, il peut y avoir des degrés de lecture différents. Shakespeare utilisait l'histoire du pence. Il faisait des pièces qui avaient plusieurs degrés de lecture, non pas pour le plaisir, mais simplement parce qu'il fallait que le spectateur y paye un pence pour aller voir une fois la pièce, mais qui repaye un deuxième pence pour voir ce qu'il n'avait pas compris. Donc voilà, donc simplement, une œuvre aussi exigeante soit-elle, on la reçoit à l'endroit où on est, et il faut toujours avoir cette volonté de pouvoir porter, grâce aux œuvres d'art, l'intelligence et la beauté au plus haut. D'où que les gens viennent, et encore plus s'ils viennent de milieux modestes. Voilà, je crois que c'est... Ce travail particulier avec des jeunes qui sont mineurs isolés, donc on rappelle ce que sont des mineurs isolés en France, ce sont des personnes qui sont en transit, en tout cas qui passent par la France, qui ont quitté leur pays et qui sont considérés ici comme des mineurs, parfois en attente d'être réellement considérés comme des mineurs. Ils souhaitent soit rester en France en demandant un asile ou en tout cas une possibilité de rester sur le territoire, soit ils sont de passage parce qu'ils vont
vont continuer leur périple. Souvent, c'est difficile. Souvent, ils sont seuls. Souvent, ils ont vécu des choses compliquées, notamment la traversée de la Méditerranée sur des bateaux de fortune. Ils se retrouvent ici, à Orléans. On peut les voir parfois le soir dans la rue. Comment est-ce qu'à un moment donné, ils se retrouvent avec toi en train de travailler une pièce de Molière ? Alors en fait, c'est souvent lié à des travaux en résonance avec d'autres structures, notamment une structure qui s'appelle ACM Formation, ou encore le lycée Gauguin qui travaille avec qui a des classes de jeunes non francophones, dont une grosse partie sont des mineurs isolés, c'est-à-dire il n'y a pas que des mineurs isolés, mais il y a essentiellement des mineurs isolés. Et puis l'idée, c'est de se dire, par expérience, après avoir commencé à faire des projets avec des structures de formation, se dire que le travail de théâtre va devenir un outil magnifique pour accompagner ces jeunes gens, notamment dans le cadre de la maîtrise de la langue. Donc ça, c'est peut-être ça le point de départ. C'est déjà des rencontres avec une structure de formation, des formatrices qui ont envie de ça. Ensuite, c'est une résonance avec des problématiques ou des choses qui me touchent intimement et personnellement, au sens où ce pourquoi je fais du théâtre, c'est parce que je crois encore un petit peu que ça peut changer le regard de certains. C'est peut-être très naïf, mais je crois que parfois de voir une personne sur un plateau, ça peut changer le regard. C'est aussi parce que depuis très longtemps, je me dis aussi que pour changer les spectateurs de théâtre, il faut qu'on change ceux qui sont sur les plateaux de théâtre. C'est-à-dire que globalement, les acteurs de théâtre, essentiellement, sont des jeunes qui viennent de familles aisées, parce que faire des études de théâtre, ben, ça coûte de l'argent, tout simplement. Donc, se permettre de faire une formation culturelle, ça coûte de l'argent. Et donc, ensuite, on va se retrouver avec des spectateurs qui vont se reconnaître en ceux qui sont sur scène. Donc, depuis moi, des années, je me pose la question de qui est-ce que je mets sur scène ? Est-ce que je mets que des blancs comme moi qui viennent de CSP+, ou est-ce que je me pose la question de qui est-ce qu'on met sur scène ? Donc ça, c'était le point de départ. Ensuite, le travail avec les migrants, c'est peut-être lié à ma conviction profonde, c'est-à-dire me dire que le fait qu'ils soient stigmatisés, qu'on les voit comme la plaie de la société, qu'ils soient souvent dans des difficultés terribles à être accompagnés dans notre pays, j'ai considéré que l'esprit du théâtre, à ma place, qu'est-ce que je peux faire ? C'est plutôt me poser la question, à ma place, qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas toujours simple de s'engager au quotidien auprès de ces jeunes. Donc, mon engagement, il se fait à cet endroit-là, il se fait au niveau professionnel, à me dire, je peux continuer à faire mon trajet d'artiste, de théâtre, de formation, en m'adressant plus particulièrement à ces jeunes qui sont en souffrance, mais qui sont aussi extrêmement généreux, très rieurs et qui ont une envie de bouffer la vie, quoi. Et c'est vrai que souvent, les différents ateliers que j'ai faits avec ces jeunes, je me retrouve avec des niveaux de jeu, des propositions qui peuvent être incroyables et amener des jeunes qui maîtrisent à peine la langue à porter des textes extrêmement ambitieux et de jouer de manière très belle et devant des spectateurs qui restent assez stupéfaits de ce qu'ils voient, quoi. Et ça change le regard de celui qui est spectateur sur ces jeunes. Alors, j'imagine que c'est dans leur parcours, c'est un souvenir qui reste. Déjà, c'est un moment d'apaisement, probablement, puisque c'est vrai qu'ils se retrouvent à être embarqués dans quelque chose qui les transporte ailleurs que dans leur quotidien. Et c'est vrai qu'ils sont présentés souvent comme des personnes en grosse difficulté, voilà une image qui est plutôt négative. C'est ton côté un peu progressiste ? Je sais pas, je crois que c'est peut-être une manière pour moi de faire de la politique. Voilà, je m'engage pas en politique, mais parce que je m'engage dans le théâtre que je fais, qui d'une certaine manière est un engagement politique. Un engagement politique, c'est-à-dire que je pense que faire un spectacle sur les migrants dans le plus beau théâtre d'Orléans, devant un public de convaincus,
pour moi, c'est simple. J'ai envie de dire, c'est facile, c'est de la rigolade, tout le monde est d'accord à la fin, etc. Se poser la question à l'endroit où ils vivent, au quotidien, travailler vraiment avec eux, essayer de leur donner un moment de représentation et de visibilité au cœur même des zones, des endroits de souffrance dans lesquels ils vivent. Mais je trouve que là, on pose la question à certaines personnes qui les regardent de manière très... Sans les voir. Qui les regardent sans les voir, ou qui les regardent parfois en ayant envie de les renvoyer dehors, sans connaître leur vie, sans savoir qui ils sont. Et tout simplement, j'ai envie tout simplement de dire, mais regardez, ce sont des jeunes comme les autres. Oui, tout à fait. C'est des jeunes comme les autres. Ils ne doivent pas être assignés à résidence de leur histoire et de leur parcours. Et, oui. Et c'est pour ça que, notamment avec eux, je ne travaille pas sur leur propre parcours. Je décale les choses. On n'est pas là pour faire du théâtre compassionnel ou du théâtre où tout le monde va pleurer en se disant « Regardez les pauvres gens ». Non, simplement, je veux les montrer, regardez ces jeunes gens, comment ils sont capables de faire du théâtre. Et après, ah oui, il vient d'Afghanistan, ah oui, ah ouais, ah quand même, il arrive à faire ça, alors que ça va être deux. C'est plutôt ça que j'essaie de faire. De quel pays sont ces jeunes avec lesquels tu as travaillé pour alors, avoir une idée pas mal d'Afghanistan, Pakistan, cette zone-là. Beaucoup d'Africains aussi. Mais après, il y a plein de fois, je ne sais même pas d'où ils viennent. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire d'accord. Que je ne me pose même pas la question, en fait. Je ne me pose même pas la question parce que je ne sais pas connaître leur parcours. Je me protège de ça en ne rentrant pas profondément dans leur parcours. Okay. Par contre, souvent, on laisse la place à la langue maternelle. C'est-à-dire qu'on fait souvent un aller-retour entre la langue française et la langue maternelle. Okay. Ça, c'est souvent le travail avec les plus vieux, les réfugiés qui sont là depuis longtemps, en se disant que le passage à la langue française doit se faire sans nier la culture d'origine, sans oui. nier la langue d'origine. Parce que qu'est-ce qui reste lorsqu'on est déraciné de son pays ? Ce qui reste, c'est la langue. C'est la langue, c'est cette bien sûr, mémoire. C'est leur identité d'origine. C'est la langue, oui. Et il y avait un texte de Mahmoud Darwish qui est très beau lorsqu'il il arrive, qui s'appelle Mural, où il va mourir. Et il était en très. C'était terrible parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu sa langue, mais sa langue, la langue physique, mais la langue aussi de la langue qu'il parlait parce qu'il avait rêvé en français. C'était terrible pour lui. J'ai perdu ma langue. Et c'est vrai que comme on accueille les étrangers en France, on a souvent un problème, c'est-à-dire qu'on veut les. Assimilés, mais presque de force. C'était en niant ce qu'ils sont. Et je crois qu'il ne faut pas nier d'où les gens viennent, il faut continuer à dialoguer, et c'est comme ça qu'on les accueille, en dialoguant avec l'endroit d'où ils viennent et avec la langue d'où ils viennent. C'est toute la question entre assimilation, intégration et inclusion. Aux États-Unis, on utilise beaucoup le mot inclusion. En France, c'est plus... C'était plus, en tout cas, on va dire ces 40 dernières années, le mot assimilation. Est-ce que pour être français, on doit oublier sa culture précédente et devenir quelque chose d'autre ? Ou est-ce qu'on doit conserver et puis prendre et donner aussi quelque chose de nouveau à l'identité France ? C'est un peu la question du vivre ensemble qui se pose à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'on a certaines problématiques, mais je pense que si on se posait moins la question du rejet de l'autre, ce serait plus simple. Moi j'aime beaucoup le mot acculturation, mais acculturation au sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'acculturation, c'est je grandis en me nourrissant de la culture de l'autre et je deviens plus grand. Et je crois qu'on aurait à gagner vraiment à se nourrir de la culture de ceux qui arrivent chez nous. C'est pas simple, hein, parce qu'il y a des résistances, il y a des complexités qui sont là qu'on ne peut pas nier, mais à chaque fois qu'on a pas nié dans les travaux qu'on a fait, à chaque fois qu'on a mis en lien la langue maternelle avec la langue française, c'est là où les gens ont le beau progressé dans la langue française, oui. Et c'est là où nous on a reçu énormément. Et c'est assez magnifique ce travail des langues, parce que les langues sont là pour s'échanger et se lier entre elles. Et c'est vrai que c'est fondamental. Et le travail avec les migrants, qu'ils soient isolés ou avec les adultes migrants ou réfugiés, lorsqu'on met la langue maternelle au centre du projet, sans la nier, ça produit des effets assez magnifiques. Voilà. Alors, quels ont été les retours de la part des personnes concernées avec lesquelles tu travaillais ? Et puis, retour aussi en général sur ce travail-là Alors, les retours sont
en général extrêmement positifs, notamment dans le cadre du festival Enracinement des Racinements, parce que énormément de réfugiés adultes ou jeunes avec lesquels j'ai pu travailler sur l'année deviennent bénévoles du festival. Donc c'est eux qui font les entrées du festival, qui vont servir au bar, qui vont faire l'accueil. Et on se retrouve avec des gens, mais ils n'ont pas une étiquette avec marqué Tchétchène, Malien, etc. Et on se retrouve avec des gens qui parlent avec quelqu'un qui est d'origine étrangère, en s'adressant normalement à lui, et à se rendre compte seulement après qu'il y a un temps de latence de compréhension de la langue. Et ça, c'est assez beau. Et c'est-à-dire que finalement, ces moments de trouble, mais des deux côtés, est extrêmement intéressante. Parce que ça crée quelque chose de très joyeux et très, très humain. En fait, ils se disent, bah oui, il est étranger, mais je ne le sais pas. C'est pas marqué sur sa gueule. Oui, bah, c'est pas parce qu'il est noir ou arabe ou machin ou blanc qu'il est. Bah voilà, on peut avoir un tchétchène. On sait pas. Rien n'est écrit sur le visage. Mais ces moments de où ça frotte un peu créent de très belles choses. Et après, de manière générale, ça a des effets très positifs sur les gens avec lesquels je travaille et sur le regard qui est porté sur eux. Maintenant, ce qui est complexe, c'est qu'on est dans des questions de politique publique. Et il faut des moyens, en fait. Il faut des moyens, c'est-à-dire que c'est du travail long cours. Et à chaque fois, on est obligé, nous, porteurs de projets, de devoir tout le temps légitimer nos démarches, les moyens dont on a besoin pour travailler au quotidien avec ces gens qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, les effets sont extrêmement positifs. On a réussi à, je crois, au bout de plusieurs années maintenant, à faire en sorte que se croisent des gens du quartier, des gens du centre-ville, des gens qui viennent du monde entier, dans cet espace-là, Théâtre Gérard Philippe, sur le quartier de la Source. Super. Voilà, donc ça, c'est assez magique. C'est presque assez émouvant même d'en parler toujours. Là, c'est petite pierre à l'édifice, mais je crois qu'on a réussi quelque chose à cet endroit-là. Un petit microcosme mondial. Exactement, dans cet endroit, dans ce quartier, à un moment donné, on se mélange pour de vrai. Pas juste sur un cahier des charges où j'ai fait venir trois personnes parce que je les connaissais. On se mélange vraiment pour de vrai. Donc ça, c'est assez magique et j'aimerais bien que ça dure. Mm-hmm. Je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment des volontés. Est-ce que tu as connaissance de propositions comme ça qui sont faites à l'étranger, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez inventé, ou en tout cas qui a été mis en place par rapport à la condition et aux structures qui étaient autour ? Alors, il y a des initiatives comme ça en France de poser la question de l'action artistique en lien avec l'action territoire et avec l'action sociale. Il y a un certain nombre de lieux qui font ça en France. Souvent, c'est porté par le désir d'une municipalité qui met en place quelqu'un. Là, ce qui est très singulier, c'est que ce désir, c'était le mien. La ville m'a donné des moyens pour travailler, mais c'est moi qui porte le projet au départ. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, le projet au départ, c'était de me donner les moyens de travailler. Et finalement, on m'a donné les moyens de travailler dans ce quartier et je me suis surtout intéressé au quartier plus qu'aux moyens de travailler. Voilà. Et c'est vrai que la problématique, c'est qu'en France, on aime bien que les gens restent à leur place. Donc, moi, je suis un artiste, donc je devrais être artiste. Et bah non, en fait, moi j'ai envie d'être au cœur des humains qui sont là et j'utilise l'outil qui est le mien, c'est-à-dire l'outil de la création du théâtre, comme un moyen de faire du lien. Oui. Alors, est-ce que ça existe ailleurs ? J'imagine que oui, hein. Je ne pense pas être unique, mais on est évidemment singulier dans la manière dont ça s'est construit avec les uns et les autres, notamment avec une formatrice d'ACM Formation, Ophélie Barbieri, où on a vraiment presque inventé un nouveau dispositif de travail avec ce mélange des langues, et qui est questionné même par les professionnels de la linguistique, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi ? C'est pas normal qu'on fasse comme ça. Normalement, il y a vraiment la langue française écrase toutes les autres. Et dans les modules de formation, on a fait autrement. Et les représentations se sont faites donc ici au Théâtre Gérard Philippe ? Là, il y a beaucoup de représentations qui se sont faites ici, essentiellement, ces dernières années. Après, on fait des rencontres aussi dans d'autres lieux du quartier pour proposer notamment la culture ailleurs, que ce soit au Collège Montesquieu,
dans les établissements à côté, à la médiathèque de la Source, avec le lycée Peggy, voilà, un certain nombre de choses qui se font évidemment ailleurs, ou en extérieur. On va faire des choses avec les écoles en extérieur cette année pour aussi être dans ce rapport immédiat à ceux qui habitent là, en se disant bah, « je sors, je regarde ». Ma dernière question sera sur ces créations. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs thématiques. Il y a effectivement ce travail que tu as fait avec les mineurs isolés, mais de manière générale, effectivement, c'est la recherche d'une grande ouverture, toujours alliée à ce côté d'exigence dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des 3-4 dernières créations qui ont été mises en place ? Oui, en fait, les créations sont toujours articulées en lien avec des problématiques sociétales. Voilà. Donc, d'accord. C'est le cœur du travail. Donc, les dernières années, j'ai porté à la Seine-Yenne un texte autour de la peine de mort. Donc, un jeune homme qui avait été condamné à mort en 1832 pour le meurtre de sa mère et de son amant à lui, et qui avait été condamné à mort notamment parce qu'il était homosexuel. Donc voilà une histoire vraie que j'ai mis en scène, et un texte un peu coup de poing dans un dialogue direct entre le condamné à mort et le spectateur. D'accord. J'ai reporté à la scène Othello, le texte de Shakespeare, en mettant une Desdémone qui était métisse. Donc j'avais poussé un petit peu les choses, et c'était assez étonnant de voir les réactions, et avec un acteur qui venait des quartiers populaires, celui qui jouait Othello, qui racontait cette chose, en fait, qui pour moi, Othello n'est pas une histoire de racisme, mais plutôt l'histoire de quelqu'un qu'on prend d'un monde, qu'on met dans un autre monde, et finalement, dans cet autre monde, il est perdu, il n'a pas les codes. Et voilà. Donc ça, c'est les deux dernières des textes que j'ai mis en scène ces dernières années. Et là, je travaille essentiellement sur l'histoire d'Abebe Bikia, le premier champion olympique noir africain qui a gagné le marathon de Rome en 1960 en courant pieds nus, et qui passe la ligne à l'endroit même où Mussolini, 25 ans plus tôt, décide d'aller régler le problème noir, en tout cas c'est ce qu'il raconte, juste avant d'envahir l'Éthiopie, l'Éthiopie qu'il n'aura pas colonisée, parce que c'est le seul pays d'Afrique qui n'est pas colonisé. Donc actuellement je travaille sur cette pièce « Vaincre à Rome », où on pose la question de, évidemment, cette course exceptionnelle, qui voit pour la première fois la victoire d'un noir africain aux Jeux Olympiques, pieds nus, en pleine année charnière de la décolonisation, parce que 1960, c'est l'année où 18 pays africains deviennent indépendants, donc c'est l'année vraiment centrale de cette question-là. Et puis, c'est le début des Jeux Olympiques qui sont vraiment télévisés, donc ça veut dire que le regard, cette course-là va devenir le point de départ d'un monde qui devient un autre, c'est-à-dire un monde qui devient le monde de la communication. Donc Abebe Bikila gagne pieds nus au moment où débute ce monde de la communication, avec notamment le vecteur la télévision qui arrive plus loin. Donc voilà, ça c'est l'actualité de la campagne aujourd'hui, et puis la poursuite du festival qui aura lieu dans 2 mois, avec les conditions qui sont les nôtres cette année, oui, un peu singulières. Un peu particulière. La continuité du travail de la compagnie à la source pour un temps, pour l'instant réduit, que j'espère un peu plus long, si d'autres réponses me sont apportées. Une toute dernière question, parce qu'elle s'impose, elle est double. Quel est ton regard, puisque tu as dû voir qu'on reparlait récemment et tu as travaillé sur le sujet, tu nous l'as dit à travers cette pièce, sur cette discussion, ce sondage qui a été fait sur la peine de mort, et le fait que finalement il y a un nombre quand même assez important de Français aujourd'hui qui sembleraient être favorables à un retour de la peine de mort. Est-ce que ça te surprend? Quel regard tu as là-dessus? Alors, ça ne me surprend pas, parce que si en 1981, Mitterrand décide de faire un vote pour savoir si on garde la peine de mort ou on la supprime, les Français auraient voulu la garder. C'est toujours compliqué l'histoire de la peine de mort, c'est-à-dire que je pense que c'est des pulsions de mort qui nous traversent lorsqu'on dit qu'on est pour la peine de mort, avec souvent lié à un événement tragique d'actualité qui fait que les gens se disent « Non, mais il aurait fallu l'empêcher, celui-ci. » Un État, il a vocation à répondre autrement à la barbarie que par la barbarie. Donc si un État répond à un criminel par l'exécution capitale, l'État n'est plus à ce moment-là, je crois,
à sa place d'État, c'est-à-dire être au-dessus de l'humain singulier, oui, qui est juste mu par ses pulsions. Par ses pulsions. Et puis, une chose extraordinaire, c'est que le dernier condamné à mort français s'appelle Philippe Maurice. Hein, voilà, donc il, un nom un peu singulier. Il a été condamné à mort sous Giscard d'Estaing. Finalement, Giscard d'Estaing le gracie et cet homme qui s'appelle Philippe Maurice a continué ses études en prison et est devenu un immense historien et qui est aujourd'hui professeur émérite à l'École des hautes études de sciences sociales et un spécialiste de l'histoire médiévale. Donc cet homme-là aurait été condamné à mort. Est-ce que la société aurait gagné quelque chose? Je n'en suis pas certain. Alors que là, il a pu apporter un certain nombre de choses après. Et il illustre le concept de résilience. Exactement. Et puis, bon, évidemment, si on est touché personnellement par un crime, c'est tout, ça se comprend. Mais voilà, c'est la force de la civilisation que de pouvoir dire stop à ça. Eh bien, écoute, je te remercie. C'était un plaisir de t'avoir au sein de Bisous Mademoiselle. Et on te souhaite plein de réussites et de travail fructueux à la source et même ailleurs pour tes prochains projets. Merci. Merci, Béatrice.